Je m'appelle Ariane Lavigne, je suis athlète en snowboard alpin, également nutritionniste avec l'équipe Livaille. Qu'est-ce qui est ma plus grande passion? Ben là, en ce moment, je ne vous cacherai pas que c'est vraiment mon sport qui me passionne, qui me demande le plus d'énergie et de temps. Il y a tellement de choses qui me passionnent, puis souvent c'est ça que je pense. Je me dis, bon, la journée que je ne ferai plus de snowboard, ben OK, je vais aller faire un voyage de vraiment un mois juste de kite. Ou, t'sais, il y a plein de choses que je veux faire, dans le fond. J'ai commencé en ski alpin, donc j'ai fait de la compétition en ski alpin pendant plusieurs années. Mes parents, c'est des passionnés de ski, donc j'ai commencé quand j'étais tout petite, je pense que j'avais 2-3 ans. J'ai fait de la compétition en ski ici à Tremblant, avec le club de ski Tremblant. Puis les choses ont fait que j'ai commencé à faire du snowboard d'abord vraiment juste pour l'essayer, pour le plaisir. Puis j'ai juste évolué comme ça, puis c'est quand j'ai vraiment fini l'université que là, je me suis dit, ah ben, je pourrais peut-être, dans le fond, condenser mes clients sur 2-3 jours par semaine, puis focusser sur le snowboard le restant de la semaine. Puis c'est vraiment cette année-là qu'il y a eu un déclic que vraiment j'ai fait, OK, ben, je pense que c'est possible de me rendre à l'équipe nationale. Puis là, ben, je suis sur l'équipe nationale, OK, ben, c'est peut-être possible d'avoir des bons résultats en Coupe du Monde. Puis quand on est rendu en Coupe du Monde, ce qui est difficile, c'est d'être constant, de toujours être dans les, disons, 10 meilleurs. C'est ça, c'est le grand défi de notre sport, c'est la constance. Le plaisir, comme je disais, le feeling d'intensité, de virage, c'est ce qui nous passionne le plus. Puis même si ça reste un sport où, oui, le risque de blessure est toujours là, on pense pas à ça quand on descend, là. On pense à nous-mêmes, à nos virages, à notre ligne, à nos pressions. Je vais souvent porter une attention un peu plus particulière à la nutrition. Parce que je le vois tout de suite, t'sais, quand je mange bien, quand je donne à mon corps ce que j'ai besoin, ça va vraiment m'aider au niveau de ma concentration, au niveau de mon énergie. Avec les années, j'ai développé des bonnes habitudes pour maximiser dans mes performances dans mon sport. Ouais. Les Olympiques, ça amène une intensité de plus. L'équipe va être annoncée le 20 janvier, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment dernière minute. C'est vraiment un mois, dans le fond, avant notre compétition. Parce que nous, nos compétitions, c'est le 19 et le 22. On a deux compétitions, le slalom géant puis le slalom. Je pense que si j'avais un message à donner, c'est peu importe notre défi, peu importe nos objectifs, c'est d'y aller pleinement. De faire comme si chaque journée était la dernière, puis mais se préparer pour la prochaine aussi.